Bonjour tout le monde, merci d'être là. Merci aux courageuses et courageux qui sont assis dans la première rangée, parce qu'habituellement, là, ça commence à la cinquième, fait que j'adore ça. J'avais pas prévu en parler, mais étant donné que Jonathan a ouvert marathonaupluriel.amnesty.ca, c'est vrai que je fais campagne avec ce magnifique mouvement de défense des droits humains à travers le monde, et je suis vraiment très engagée en ce moment avec Amnesty au Québec. Et c'est vraiment une belle cause, j'en parle deux secondes. Il s'agit d'aller sur le site puis d'écrire un petit message. Vous allez voir, c'est tellement simple, par courriel, puis vous mettez votre nom. Les messages sont envoyés à des prisonniers et prisonnières d'opinion dans plusieurs pays du monde ou à des familles, à des proches de personnes assassinées par des régimes de dictature. Et ce qui est fascinant, c'est que cette campagne qui est mondiale, donc vous imaginez, il y a des prisons où à un moment donné, un prisonnier, une prisonnière reçoit 50 000 cartes de vœux de fin d'année. C'est comme tout un choc, c'est comme important. Premièrement, la personne ne se sent plus seule, mais deuxièmement, ça fait pression sur les autorités carcérales et sur le gouvernement. On obtient la libération des prisonnières et prisonniers d'opinion grâce à cette campagne dans 75 % des cas. Donc, ce n'est pas juste un geste symbolique, c'est un geste concret qui fait libérer des gens. Alors, marathonaupluriel.amnesty.ca. Mais ce n'était pas exactement pour ça que j'ai été invitée à venir aujourd'hui. Jonathan m'a rejoint l'été dernier, j'étais en pleine vacances. Il m'a dit « Est-ce que vous viendriez parler de démocratie au Cégep Édouard Montpetit? » Et je ne me rappelle plus de l'autre personne, mais une des personnes qui va aussi donner une conférence, c'est Jonathan Folco-Durand. Je connais Jonathan, je connais sa stature intellectuelle, tu sais, genre de gars qui peut écrire 15 pages en dedans de 3 heures, tu sais, sans aucun problème. Puis là, j'ai dit, mais moi, je ne suis pas une théoricienne, là. Mais on m'a dit, oui, mais vous avez de l'expérience. Ben, c'est vrai, j'ai été députée, c'est vrai que je peux en témoigner, je peux en parler. Alors, j'ai accepté de venir vous parler avec un peu d'humilité. Ben, je n'ai pas écrit de livre sur la démocratie, mais c'est vrai que, autant en militant et en travaillant dans des mouvements sociaux qu'en étant députée, j'ai eu à côtoyer et parfois me coltailler avec du monde, avec des personnes qui appartiennent au monde de la politique politicienne, hein, donc députés, ministres, etc. Fait que c'est vrai que je peux en témoigner et c'est vrai que ça peut m'inspirer, j'espère que ça vous inspirera, des questionnements, puis des pistes de réflexion, des changements qu'on pourrait apporter pour avoir une meilleure démocratie. Peut-être d'abord, si on retournait un peu à la base, on parle de démocratie. Qu'est-ce que la démocratie? Bon, vous savez, ça vient des Grecs et ça veut dire le pouvoir du peuple. Quand on y pense, c'est un gros programme. Juste ça, de penser que les peuples auraient le pouvoir de décider pour eux-mêmes de ce qui est bon dans leur vie, de ce qui peut leur donner des conditions d'existence décentes. Les peuples, c'est vous, c'est moi, c'est monsieur, madame, tout le monde. Donc, l'idée de la démocratie, c'est chacun, chacune d'entre nous, on se sentirait responsable de participer à des délibérations, à des débats, à des décisions qui auraient de l'importance dans nos vies. C'est concret, la démocratie. C'est un beau concept philosophique, mais c'est super concret. C'est la différence entre se faire mettre en prison parce qu'on défend des idées ou non. On parle de démocratie quand on parle de ça, là. C'est la différence entre la corruption généralisée des élites économiques et politiques ou l'intégrité des gens qui nous dirigent. C'est quand même important. La démocratie, c'est vous et moi qui pouvons décider que c'est important d'avoir des cégeps. Il y en a qui voudraient les abolir, on va se battre pour les garder. Ça, c'est aussi la démocratie. Donc, c'est quand même super important. Et ça suppose quoi pour que ça fonctionne? Bien, aussi des choses concrètes, si on veut parler de participation citoyenne. Ça suppose, par exemple, qu'on ait du temps. Combien de gens
à qui j'ai demandé dans ma vie, ça ne te tenterait pas de t'engager avec tel groupe ou même avec Québec solidaire à l'époque ou dans telle cause, et qui me répondent, mais écoute, j'ai à peine le temps de me lever, d'aller travailler, d'aller chercher les enfants à la garderie, de faire les devoirs, de les coucher, puis là, de m'écrouler, essouffler sur mon divan. Je manque de temps. Puis c'est vrai que quand on n'a pas de temps, on pourrait dire, ah, c'est plus difficile d'avoir des loisirs et tout, mais l'autre impact, c'est qu'on n'a pas de temps pour s'engager. Ou alors, si on le fait, bien là, on va rogner du temps, évidemment, sur d'autres choses, sur la vie familiale, etc. Donc, le temps, c'est important. Mais il faut aussi des moyens pour agir. C'est pas tout de dire, je vais me réunir avec mes voisins, on va discuter, puis on va décider, mettons, de faire une ruelle verte, où on aurait besoin de services de garde dans notre communauté. Bon, travaillons ensemble et essayons d'ouvrir un service de garde. Oui, mais c'est pas si simple que ça, si c'était si simple que ça. Mais pas du tout. Tout ça, ça prend des sous, des autorisations, puis là, il y a toute une bureaucratie. Donc, il y a plein d'obstacles qui peuvent survenir quand les gens essaient de s'organiser. Puis il faut, pour penser vraiment qu'on est dans un régime démocratique, mon opinion, c'est qu'il faut que les gens aient les moyens d'agir. Il faut aussi qu'il y ait, de façon claire, dans une société, des mécanismes pour instaurer des lieux de concertation, des lieux de participation. Vous l'ignorez ou vous ne l'ignorez pas, je ne sais pas, mais ça a été une bataille au Québec, comme dans de nombreux pays, pour que les travailleuses, les travailleurs aient le droit de s'associer. Juste ça, le droit de se regrouper pour revendiquer des meilleures conditions de travail. Moi, je vous parle d'il y a 100 ans, là. Mais ce droit d'association, ça s'appelle mettre au monde des syndicats. Ça ne s'est pas fait tout seul. Ça a été des droits qui ont été arrachés littéralement au pouvoir en place. Et si on n'avait pas eu les syndicats, on n'aurait pas, dans bon nombre de milieux de travail, les conditions peuvent toujours être améliorées, là, mais on n'aurait même pas ce qu'on a aujourd'hui. On n'aurait pas de comité de citoyens, on n'aurait pas, par exemple, au Québec, s'il n'y avait pas un financement pour les groupes de femmes, les groupes écologistes, etc., il y en aurait, parce qu'il y a des pays où il n'y en a pas du tout de financement pour ces groupes-là. Ils s'organisent quand même, mais avec bien plus de difficultés qu'ici. Donc, la démocratie, si on veut qu'elle soit vivante, ça suppose vraiment qu'on donne aux gens les moyens d'agir. Et puis je vais revenir plus loin, voilà pourquoi il faut être tellement vigilant quand on nous enlève des moyens, ce qui s'est passé ces dernières années. Et puis après ça, et là les opinions varient, moi je pense qu'il faut une sorte de coordination nationale de tout ça. Moi je fais partie encore des gens qui croient à ce qu'on appelle l'État-nation. Moi je pense que c'est important qu'au Québec, le Québec est une nation, je pense qu'il faut s'organiser, je pense qu'il faut qu'on ait des politiques nationales, je ne pense pas qu'il faut que chaque municipalité décide de qu'est-ce que va être le salaire minimum. Ça a déjà été proposé, vous allez peut-être trouver ça drôle, mais il y a déjà un président de la Banque nationale qui a proposé que le salaire minimum soit fixé dans chacune des régions. Puis ça pouvait être différent. Bon, ça s'est éteint assez vite, mais donc si on dit qu'on veut le même salaire minimum, en passant que plusieurs, y compris moi, aimerait augmenter à 15 $ l'heure. Ça, c'était la petite ligne éditoriale. Bon, en fait, il y aura à peu près que ça, des lignes éditoriales, je vais être bien franche. Bon, si on veut que ça soit partout au Québec, bien, ça suppose qu'il y a quelqu'un qui le décide. Et ça, ça s'appelle le gouvernement du Québec. Après ça, je vais vous dire tous les problèmes que je vois dans cette démocratie parlementaire, mais malgré tout, je continue de penser qu'il nous faut ce lieu où, comme nation, on prend un certain nombre de décisions qui vont toucher tout le monde. D'autres ne pensent pas comme ça, puis, garde, c'est ça qui fait la richesse des débats. Dans les mouvements anarchistes, par exemple, on pense que non, l'État-nation s'est dépassé, c'est pas ça qu'il nous faut, puis là, après, il y a toutes sortes de nuances. Il faut que les gens s'organisent à la base. Il peut y avoir, oui, des formes de coordination au niveau des municipalités ou des régions, mais pas d'État-nation. Ça se discute, mais bon, moi, ça n'est pas mon école de pensée. Maintenant, si on en vient à concrètement, au Québec, on a un système démocratique qui s'appelle la démocratie parlementaire.
Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont vu ça en classe, mais je veux quand même concrètement, parce que je ne veux pas vous sous-estimer, là, mais moi, j'ai appris beaucoup de choses en y allant. J'avais déjà quand même pourtant un certain âge, puis j'avais quand même déjà étudié ces choses-là, mais quand on y va, c'est fou tout ce qu'on découvre. Donc, évidemment, vous savez que la démocratie parlementaire, c'est l'idée d'avoir un parlement formé de qui? Des représentants élus par le peuple. Son rôle, faire des lois. En gros, il y aurait bien plus à dire, il y a des livres qui sont écrits là-dessus, là, mais en gros, c'est quand même ça. Un parlement est là pour faire des lois, et un parlement est composé d'élus, élus hommes et femmes, par le peuple. En ce moment, au Québec, vous savez combien on a de députés, j'imagine? C'est une question. Oui? OK, tout le monde savait ça, c'est juste parce que vous étiez gênés. Alors, 125 députés, 30 % de femmes, 10 % de jeunes. Là, je commence à parler un peu de ce qui ne va pas tout à fait très bien. Vous savez sans doute que le Parti libéral est majoritaire. Il a exactement 68 députés. Donc, pour avoir la majorité, 125 divisé par 2, 122 et demi, 62 et demi. Donc, il faut avoir 63 députés pour être majoritaire. Le Parti libéral en a 68, le PQ 28, la CAQ, la Coalition Avenir Québec 21, Québec solidaire 3, et il y a 5 autres députés indépendants, ce qui fait un total de 125. Notre mode de scrutin s'appelle uninominal majoritaire à un tour. Bon, pas obligatoire de tout retenir ça, mais ce que ça veut dire, c'est ça qui est important, et j'ajouterais que c'est pas inintéressant de le savoir, parce qu'en faisant du porte-à-porte dans ma circonscription, qui est mon quartier, je me suis aperçu que la majorité des gens ne savaient pas exactement comment ça fonctionnait. Ils votaient, là, mais ils ne comprenaient pas. Ils n'avaient jamais analysé le système. Je peux comprendre ça, mais moi, ça m'a amené à me dire, OK, ben, je pense que là, il va falloir un petit peu s'en parler. Parce que ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un élu par circonscription, et cette personne est élue comment? Ben, c'est simple, c'est la personne candidate qui a le plus de votes. Puis vous allez voir après que ça pose des problèmes, ça. Donc, 125 circonscriptions, un élu ou une élue par circonscription, qui est élu? La personne qui a le plus de votes. Donc, majoritaire, c'est pour ça. Et puis après, ben, il y a un seul tour, parce qu'il y a des pays où il y a deux tours dans les votes. Là, nous, c'est un tour. Tu vas voter une fois, tu votes pour une personne, et voilà, le tour est joué. Et là, qu'est-ce que ça donne, ça? Bien, ça donne que le parti qui a le plus d'élus gouverne. Il peut être majoritaire au Québec, donc avoir plus de 63 députés, ou il peut être minoritaire. C'est arrivé dans le cas de Mme Marois, qui avait, si je me souviens bien, 54 députés. Puis là, je vous expliquerai comment ça se passe. Et à partir de là, l'Assemblée se met en branle. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, le Parlement fait les lois. Mais dans la réalité, qui gouverne vraiment, là? T'sais, qui a du pouvoir? Qui est capable de décider? Bien, au premier chef, le premier ministre. Le système parlementaire, en fait, est un système... Est-ce qu'il marche encore, le micro? Oui? OK. Est un système extrêmement centralisé. Ne vous imaginez pas que les 125 députés sont ensemble en train de prendre des décisions. Là. C'est vraiment pas comme ça que ça se passe pour vrai. C'est le premier ministre, sa garde rapprochée, son bureau, là, autrement dit, les gens qu'il a embauchés, puis qu'en général, personne ne connaît. Moi, je ne connaissais même pas. J'ai passé 4 ans et demi là. J'en voyais un une fois de temps en temps, puis comme c'était une fois de temps en temps, j'arrivais jamais à me rappeler c'était qui. Mais il y a vraiment une espèce de garde rapprochée, là, un cercle d'intimes. Et c'est de là que partent toutes les réflexions, c'est là que s'élaborent toutes les stratégies. Et quand ces gens-là, avec le premier ministre, disent oui à quelque chose, ça va marcher. Puis s'ils disent non, le ministre le plus important, bien, il va prendre son trou. Ça, c'est important de savoir ça. Et voilà pourquoi il va falloir changer des choses, parce que rendu là, écoutez, là, on est parti de 125 députés,
Puis là, après ça, on a dit, OK, ils sont 68 libéraux. Puis après ça, ils sont à peu près 28 au Conseil des ministres. Mais finalement, qui décide? Bien, ils sont à peu près 5. Alors, vous comprenez là, qu'on n'est pas dans de la démocratie très participative. Le Conseil des ministres a quand même de l'importance. C'est sûr que si on s'appelle Gaétan Barrette, ben, je ne veux pas faire de cas, là, mais il est assez connu. Hein? Monsieur Barrette, même M. Couillard doit avoir un peu de misère à l'arrêter quand il veut quelque chose. Il y a d'autres ministres, franchement, plus sympathiques. Là. Donc, les ministres peuvent avoir de l'influence, mais j'ai déjà jasé dans ma vie, avant d'être député, puis une fois que j'ai été député, j'ai déjà eu l'occasion de jaser, tu sais, en confidentialité avec des ministres avec qui j'avais établi des liens. Et ces personnes-là me confiaient que c'est un combat pour un ministre ou une ministre de faire passer ses idées, de faire passer le projet de loi qu'il voudrait faire passer, d'obtenir des budgets pour son ministère. C'est un combat parce que l'entourage du premier ministre est tout puissant. Parfois, le groupe des députés au pouvoir, dans ce cas-ci les libéraux, peut avoir du pouvoir. Je dis bien « parfois ». Parce que j'ai jasé aussi avec certaines personnes, députées libérales, qui avaient leur réunion, là, donc ils sont 68, comme je vous ai dit, ça fait une grosse réunion. En général, c'était pour se faire mettre au courant de ce que le gouvernement, M. Couillard, allait faire. Ça finissait là. Moi, j'ai vu des collègues libéraux assis en avant de moi à la banquette précédente, à qui des fois, bon, moi j'en avais beaucoup là, sur les épaules, on était juste trois, puis on essayait de tout couvrir, puis de tout comprendre, puis tout allait vite. Fait que ça m'est arrivé de dire à une collègue libérale en avant, c'est quoi là, la motion qu'on va voter? Elle me disait, j'ai dit, vous votez comment? Ben, elle me disait, j'attends que le leader donne le signal. Elle-même, sa propre motion, la motion de son parti, de son gouvernement, elle ne savait pas comment elle allait voter. Ou même si c'était une motion d'un autre parti, dépendant de le leader allait-il se lever pour voter oui ou non, bien, elle allait faire pareil. Fait que ça vous donne quand même une idée. Là, je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien encourageant, la démocratie parlementaire. Il y a des côtés vraiment décourageants. Les députés ont quand même un rôle. Peuvent faire des propositions, peuvent quand même s'exprimer. Mais là, ce ne sont pas tous les députés qui vont le faire, surtout ceux du parti au pouvoir, parce qu'ils voudraient bien être ministres un jour. Il faut donc qu'ils soient bien vus du chef. Alors, les plus courageux ou courageuses vont dire, ben là, chef, moi, je pense qu'il faudrait faire telle chose, mais il y a beaucoup de pas courageux qui ne diront pas un mot jamais, espérant un jour franchir les obstacles, monter l'escalier et avoir plus de pouvoir. Ça existe aussi, et pas que au Parti libéral, dans d'autres partis, c'est la même chose aussi. Le député, ceci dit, joue un rôle extrêmement important et souvent méconnu. Personnellement, c'est celui que j'ai le mieux aimé. C'est toute l'action dans la circonscription. On n'est pas seulement, comme député, des personnes qui s'en vont siéger à l'Assemblée nationale, donc 3 jours par semaine à Québec. Là. Il y a notre circonscription, notre comté. Dans mon cas, c'est mon quartier. Moi, j'habite Rosemont-la-Petite-Patrie, c'est le comté de Gouin. Ça va du marché Jean-Talon, mettons, à la 6e avenue. Là, c'est bon, c'est ce coin-là. Je ne sais pas si vous connaissez un peu marché Jean-Talon, vous connaissez sûrement. Métro Rosemont, métro Beaubien, là, tout ça, là, c'est dans mon comté, un quartier que j'adore. Bien, rapidement, j'ai compris, puis j'ai aimé que... pas juste moi et les personnes qui travaillaient avec moi, le personnel du comté, là, on devenait les confidents, on devenait les intermédiaires de bon nombre de citoyens et de citoyennes du comté là, qui étaient hyper mal pris, qui ne savaient plus comment se débattre avec le débranchement d'Hydro-Québec, la coupure du chèque d'aide sociale, Revenu Québec qui demande de rembourser toutes sortes de sommes parce qu'ils disent « là, vous n'avez pas assez payé », mais quand ils arrivent, pour certaines personnes, c'est dramatique parce que c'est beaucoup d'argent. Des personnes avec des problèmes de santé mentale
et leurs familles qui ne savaient plus où aller trouver de l'aide, des personnes avec des problèmes de logement majeurs. Là, on parle là, du monde. Hein? On parle du monde ordinaire, des gens démunis, souvent avec des problèmes de pauvreté. Les problèmes de santé mentale, c'est revenu fréquemment. Dans les premiers 18 mois, on a accueilli 400 personnes à mon bureau. 400. Ça, je n'avais pas prévu ça, là, mais tellement pas. Là. Je me disais, mais comment ils m'ont découvert? T'sais, comment ça se fait qu'ils viennent? Mais le bouche à oreille fonctionne beaucoup, les problèmes d'immigration aussi. Et puis finalement, ben, les gens se disent, tiens, cette députée-là, puis ça, c'est le cas quand même de nombreux et nombreuses députés. Quand même, là, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que Québec solidaire. Moi, j'ai connu bien des collègues députés qui travaillent fort dans leur comté pour aider les gens. Soutenir des projets, soutenir des organismes, soutenir le milieu culturel, faire valoir des dossiers jusqu'à l'Assemblée nationale, on se démène pas mal. C'est variable, c'est pas tous les députés, mais dans l'ensemble, moi j'ai eu des collègues engagés là, sur le terrain, puis ben, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait parce que j'adorais ça, puis parce que les gens ils m'avaient élu après tout, puis c'était pour m'occuper d'eux. Retour rapide à l'Assemblée nationale. C'est une énorme machine, l'Assemblée nationale. Vous, ce que vous voyez, si vous écoutez les nouvelles ou que vous êtes sur le web puis vous pognez les petites nouvelles là, toute la journée, vous voyez des chicanes de politiciens, vous voyez la période de questions. C'est à peu près juste ça que vous voyez. Mais dans les faits, l'Assemblée nationale, c'est plusieurs bâtiments là, dans un quadrilatère. Il y a 1200 personnes qui travaillent là tous les jours. Moi, j'ai appris ça en y allant, là. Ces personnes-là, bien sûr, ce sont les députés et leur personnel, mais ce sont aussi des juristes, des recherchistes, des bibliothécaires, des agents de sécurité, des femmes de ménage, des cuisiniers, des cuisinières. Parce qu'il faut que vous pensiez qu'on vit là. C'est bien juste si on ne couche pas là. On arrive souvent à 8 heures le matin. Nous, en tout cas, on ne repartait jamais avant 8 heures, 8 heures et demie le soir. C'est des journées de 12 heures. On travaille fort, puis il y a plein de monde pour nous soutenir dans ce travail-là. Ça, c'est quand même quelque chose de pas mal intéressant. Mon expérience a été que, bon, j'ai été élue en 2012, donc dans le comté. Comté, circonscription, c'est la même chose. Le vrai, vrai mot français, bon, dans le système parlementaire, c'est circonscription, mais pour aller plus vite, on dit souvent nos comtés. C'était la troisième fois que je me présentais. Et je m'étais dit, ça passe ou ça casse. Bon, ça a passé. Heureusement, dans le fond, parce que j'ai fait une belle expérience. Il faut que vous compreniez que d'être élu, quand on vient d'un parti... Puis après ça, vous pouvez avoir votre opinion sur ce parti-là, mais c'est un petit parti, moins connu, peu connu, là, surtout au début, 2007-2008. Là, on s'entend que, pouf, c'était pas évident. Moi, il y avait des gens qui me connaissaient, mais pas tout le monde non plus. Puis là, tu arrives, puis tu dis, moi, je voudrais être élu, là, parce que moi, je pense vraiment qu'il faut plus de justice, plus d'écologie. Je suis souverainiste, je suis féministe. Puis là, ben, c'est la totale, votez pour moi. T'sais. C'est pas si évident que ça, là. Et j'étais dans un comté péquiste depuis, de mémoire, je pense, 1973. Fait que c'est sûr que la marche était haute à monter. Il y a des gens qui me disaient, tu y arriveras jamais, va donc te présenter ailleurs. Oui, mais c'est chez nous. C'est là que j'habite. C'est là que je connais les gens, les organismes et tout. Pourquoi j'irai ailleurs, puis à part ça, où ça ailleurs? Alors, je suis restée là, puis finalement, j'ai été élue. Donc, j'ai passé 4 ans et demi à l'Assemblée nationale. Le premier 18 mois, gouvernement de Pauline Marois, minoritaire. Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, elle n'avait pas 63 députés, elle en avait 54. Puis après, 2014 jusqu'à maintenant, bien, c'est le gouvernement majoritaire de Philippe Couillard. Je veux juste dire, j'en parlerai pas longtemps, puis je vais revenir après dans les pistes de solutions, qu'un gouvernement minoritaire peut avoir certains avantages. Par exemple, si tu es minoritaire, bien, pour passer ton projet de loi, là, tu es obligé de négocier avec d'autres partis. Hein? Tu es obligé d'aller te chercher du renfort. Parce que sinon, ton vote à 54 députés, bien, ça va faire en sorte que ton projet de loi va être battu. Alors, durant les 18 premiers mois,
ce que j'ai vu du gouvernement de Mme Marois, avec parfois des succès et parfois des échecs, ça a été des tentatives de négocier. Avec les libéraux, c'était franchement difficile. À cette époque-là, un peu plus facile avec la coalition Avenir Québec. Et nous, nous étions deux, Amir, Kadir et moi, à Québec solidaire, deux. À certains moments, on a appuyé aussi, à plusieurs moments même, on a appuyé le gouvernement de Mme Marois, mais ça a été quand même, pour elle, une période difficile. Par exemple, ils avaient un projet de loi pour faire avancer le fait français au Québec. Nous, on était d'accord avec beaucoup d'éléments, mais les libéraux déchiraient littéralement leur chemise, hurlaient dans les commissions parlementaires, et la coalition Avenir Québec voulait tellement d'amendements majeurs qui dénaturaient complètement le projet de loi que finalement, le gouvernement a retiré le projet de loi. Il a dit « OK, c'est correct, ben garde, tant qu'on va être minoritaire, on n'y arrivera pas ». Ça a été aussi la période, et ça, j'ai trouvé ça très compliqué, un bon 6 mois, là, sur la fameuse charte des valeurs dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc, cette idée, au départ, de dire que le Québec devrait être un État davantage laïque, et on va l'affirmer, mais c'est rapidement devenu le procès des personnes, des minorités, qui parfois ont une autre religion, des modes de vie un peu différents, ont des fois une autre manière de voir, puis que c'est très intéressant, en fait. Puis l'idée, c'est d'essayer de s'entendre, d'avoir un tronc commun, une langue commune qui est le français, etc. Mais ça a été tellement mal géré, mal fait, etc. Ça a créé au Québec pendant 6 mois un climat épouvantable, d'opposition, de division terrible, qui s'est terminé avec l'arrivée des libéraux. Et je ne dis pas ça pour dire que j'étais heureuse de l'arrivée des libéraux, on s'entend. Mais bon, ça a comme fermé le dossier temporairement parce que c'est des dossiers qui ne se terminent jamais. Et là, finalement, les libéraux arrivent, 2014, et moi, j'ai quitté en 2017. Ce que je veux vous dire sur l'ensemble de la période, c'est que j'ai vu se côtoyer le pire, le meilleur, puis mon autre point, c'est le difficile. Alors, je vais commencer par le pire, pour pas qu'on déprime totalement tout le monde tout de suite. Après ça, je vais faire le meilleur. Alors, le pire, ben, vous êtes à même de l'observer vous-même, hein? Vous écoutez les nouvelles, mettons. Mais je sais que je ne suis pas sûre que dans votre génération, on s'assoit. Moi, c'est un rituel. Là, à 9 heures, je m'assois devant les nouvelles. Je pense que ça, vous n'êtes plus là-dedans, pas en tout. Vous autres, vous savez tout ce qui se passe toute la journée parce que vous avez juste à aller sur plein de sites puis vous êtes au courant. Mais vous devez bien quand même, de temps en temps, voir les chicanes de parti. Ben, en fait, souvent, le public, les Québécois, ont l'impression qu'il n'y a que ça. Puis c'est vrai qu'il y en a beaucoup. De la partisanerie crasse, là, des insultes qui volent de part et d'autre, de la mesquinerie, c'est parfois brutal, c'est intimidant, c'est parfois vulgaire carrément. C'est pas intéressant. Harcèlement psychologique et sexuel, oui, ça existe. Ça existe au point que sur mon initiative, mais appuyée rapidement par à peu près tout le monde, il y a 2 ans maintenant ou 3 ans, l'Assemblée nationale s'est dotée d'une politique contre le harcèlement psychologique et sexuel. Parce qu'il commençait à y avoir des situations, là, particulièrement des... Il y a beaucoup de jeunes femmes attachées politiques, là, et des attachées de presse aussi, puis il commençait vraiment à y avoir des malaises qui étaient plus nommés. Je n'ai pas besoin de vous dire que c'était ça la réalité, hein, parce que depuis 2 ans, qu'est-ce qu'on voit dans beaucoup de milieux, agressions non dénoncées, etc. Bon, ben déjà, il y a 3 ans, on sentait que ça n'allait pas toujours bien de ce côté-là puis qu'il fallait se doter d'une politique. Avec le Parti libéral, je vous ai parlé un peu du PQ, ce que j'ai vu de pire, ben, il y en a eu plusieurs. Un, l'élimination de lieux de concertation démocratique. On se parle de démocratie ce midi, là. Bien, le gouvernement libéral a éliminé, par exemple, dans les régions, tout ce qui s'appelait conseils régionaux de développement, centres locaux de développement. C'était toutes des concertations qui avaient été mises sur pied un bon 15 ans auparavant par un gouvernement péquiste. Puis c'était très bien.
des lieux où se côtoyaient des élus municipaux, des gens des milieux de la santé, de l'éducation, du développement économique, capitaliste et solidaire, des gens du milieu de la culture. Les gens avaient appris à se parler. Pas toujours d'accord, mais au moins à se parler et même à avoir des projets communs. Et ça, dans les régions, en particulier toutes les régions à l'extérieur de Montréal, c'était extrêmement apprécié. À Montréal, sur l'île, un autre lieu qui a été quasi aboli, on est passé de 26 à 6, les CEDEC, les comités de développement économique là, dans les quartiers où là encore, tout ce que je viens de vous dire, tous les gens que je viens de vous dire se rassemblaient pour parler de développement social et de développement économique dans nos quartiers. Parce que dans nos quartiers, et surtout dans certains quartiers, il y a du chômage, il y a des problèmes de développement économique, il y a des jeunes qui veulent partir des petites entreprises qui ne savent pas comment. Bon. Donc, il y avait toutes sortes de lieux comme ça que le gouvernement a carrément aboli parce que lui, il trouvait que c'était, comment il disait ça, inutile, ça coûtait cher, c'était pas gagnant. Alors, en plus, ben, comme c'était l'austérité, ça j'espère que vous avez compris que c'était passé aussi sur le Québec, cet orage-là. Il faut couper partout hein, parce que le gouvernement veut mettre fin au déficit rapidement. Il a mis fin tellement rapidement qu'il nage maintenant dans les surplus. Mais toutes les coupes dans ces organismes de concertation, ça procédait de la même logique. Donc, on va couper tout ce qui ne nous paraît pas essentiel. Mais attends, la démocratie, c'est essentiel ou c'est pas essentiel? Il me semble que c'est le fun. Moi, que dans des régions, des municipalités ou sur l'île de Montréal, les gens se parlent, les gens essaient de développer ensemble, essaient de se mobiliser ensemble. Mais évidemment, ça peut aussi être considéré comme épeurant, ça, par le pouvoir national, le pouvoir à Québec, tu sais. S'il y a trop de gens un peu partout là, qui sont mobilisés, puis capables de se réunir, puis capables de décider, bien, peut-être qu'ils vont des fois aussi contester le pouvoir central, ce qui arrivait d'ailleurs. Mais c'est correct, ça. C'est ça, la démocratie. Il faut qu'il y ait du débat. Sans ça aussi bien élaborer une dictature, là. Alors ça, moi, j'ai trouvé que c'était assez dramatique. La même chose dans toute la réforme de la santé et des services sociaux de M. Barrette. On est passé au Québec de 80 établissements en santé et services sociaux à, de mémoire, à peu près 27 ou 28. Les présidents directeurs généraux des grands centres de santé et de services sociaux sont nommés par qui? Par le ministre de la Santé, qui se vante de dire qu'une fois par mois, il fait une visioconférence avec tout ce monde-là, puis là, il donne ses ordres. Mais c'est pas moi qui le dis, là, c'est lui. Et donc, encore une fois, énorme centralisation des pouvoirs ou au bureau du ministre, alors qu'avant, il y avait sur les conseils d'administration d'établissements des gens qui provenaient de tous les métiers présents dans les établissements, là, infirmières, médecins, préposés, etc., et des citoyennes et des citoyens. Bon, ils ont failli abolir les commissions scolaires, ils ont finalement décidé de les laisser. Ils ont coupé de façon abominable dans les centres à la petite enfance. Et moi, je me rappelle d'une ministre de la famille qui m'a dit, donc je ne l'invente pas, elle me l'a dit, les yeux dans les yeux, mais là, Françoise, des parents qui prétendent gérer leur garderie. Puis des fois, c'est des gros budgets quand même, là. Toi, tu penses que ça marche? Bien, j'ai répondu, Madame la ministre, c'est parce que ça fait 40 ans que ça marche. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait plus. Alors, vous voyez qu'il y avait vraiment une conception, il y a toujours, de « nous savons ce qui est bon pour vous, nous décidons ». Alors ça, j'ai trouvé que c'était une période assez difficile. Bon, l'austérité, je vais passer rapidement, mais vous avez vu ça passer quand même. Il y a eu des coupes épouvantables dans les cégeps, entre autres, dans les universités, dans le système de santé, dans l'aide aux étudiantes et étudiants en difficulté, l'aide aux enfants, bon bref. Je passe vite parce que vous l'avez vu. Donc, aucune écoute des citoyennes, des citoyens qui n'arrêtaient pas de dire « mais c'est parce que là, vous touchez à nos enfants, nos communautés, mon école tombe en ruine, puis non seulement vous ne faites rien, mais vous coupez encore. » Aucune espèce d'écoute. Alors, c'est sûr que ça amène des gens à se dire « coudonc, est-ce qu'on est encore en démocratie? » Je veux vous dire aussi qu'il y a eu beaucoup de lois spéciales. Ce qu'on appelle une loi spéciale, c'est une loi qui ne suit pas tout le processus habituel. C'est très, très long voter une loi. Puis ça, c'est bon que ça soit long.
parce qu'il y a toutes sortes de processus, là, il y a toutes sortes d'étapes, entre autres l'étape où tu demandes aux gens de présenter des mémoires, tu les fais venir à Québec, tu les écoutes en commission, on appelle ça une commission parlementaire. Puis après ça, il y a toute une étude qui est faite par les députés. Puis après ça, il y a plein d'étapes. Là, un projet de loi, en général, ça prend, je ne sais pas, minimum 3 mois, maximum 1 an pour être adopté. Une loi spéciale, 24 heures. Sous le gouvernement minoritaire du PQ, 18 mois, il y en a eu 2. Et avec les libéraux, là, ça fait quoi maintenant, les libéraux? 3 ans à peu près, là. Très bientôt 3 ans et demi, il y en a eu au moins une demi-douzaine. C'est très souvent pour mettre fin à des grèves, mais parfois c'est tout à fait autre chose, changer la loi sur les mines, c'est une loi spéciale. Je n'ai jamais compris pourquoi il y avait une loi spéciale alors que c'est tellement un sujet important. Mais bref, des lois spéciales, ces moments-là là, qui durent 24 heures, puis on passe la moitié de la nuit, puis en tout cas, j'ai toujours détesté ça. Parce qu'on se sent impuissant. Là, on sent qu'on n'est plus capable de rien faire. On n'a aucune influence, aucune importance. Puis là, ils nous font jaser pendant des heures pour rien. Bon, on se couche à 4 heures du matin. Puis en général, ben, c'était des lois avec lesquelles j'étais profondément en désaccord. Fait que ça, c'est un bout que j'ai trouvé assez difficile. Maintenant, il y a le meilleur, quand même, après que j'ai dit tout ça. Dans le meilleur... Bien, curieusement, je veux dire le contraire un peu de ce que je viens de dire, il y a un lieu vraiment intéressant, pas toujours, mais souvent, dans tout notre travail à l'Assemblée nationale, ça s'appelle les commissions parlementaires. Je connaissais ça parce que j'étais déjà allée, comme vieille militante là, du mouvement des femmes, j'étais déjà allée présenter des mémoires, on appelle ça des mémoires, tu sais, des documents, pour dire ce que je pensais d'une loi. Donc, j'avais déjà fait ça, mais de l'autre côté de la barrière. Là, je me retrouvais autour de la table de la commission. Une commission, c'est un lieu où on retrouve une majorité de députés du parti au pouvoir, dans ce cas-ci libéraux, mais aussi le PQ, la CAQ et nous sommes représentés. Puis là, on peut écouter là, des dizaines de groupes qui viennent nous voir pour nous dire qu'est-ce qu'ils pensent d'un projet de loi. Puis après ça, on passe des heures, mais là, des heures, des centaines d'heures, à débattre de ce projet de loi-là, article par article. Moi, au début, je pensais que ça m'ennuierait totalement. Je me suis dit, ça doit-tu être plate à la longue? Ben non. Surtout quand tu as devant toi un ministre plus ouvert, prêt à faire des concessions, prêt à entendre ta voix, puis à peut-être faire des amendements à sa propre loi, bien là, ça devient intéressant parce que tu as l'impression de construire quelque chose. Ça n'arrive pas avec tous les ministres, là. Il y en a avec qui c'est une bataille, c'est épouvantable. Puis d'autres, plus ouverts, plus conciliants, avec qui ça devient vraiment intéressant de discuter. Donc, pour moi, ça a été une expérience souvent, pas toujours, positive. Le plus déprimant, c'est quand, mettons, sur l'aide sociale, il y a une grosse réforme, là, 90% des groupes sont venus dire au ministre, vous voulez faire des coupures dans les prestations des jeunes assistés sociaux s'ils refusent de participer à un programme. Nous, on vous dit, faites pas ça. C'est pas une bonne idée. Ça. Je ne vais pas tout vous expliquer pourquoi, parce que c'est un autre sujet, mais bref. 90% des groupes disent non, faites pas ça. Puis des groupes là, qui s'occupent des jeunes, des groupes qui connaissent ça. Mais le ministre, lui, c'est oui. T'sais, lui, il n'en démord pas. Là. Il n'en démord pas du tout, du tout, du tout. Alors là, ce que j'ai fait avec un collègue du Parti québécois, Dave Turcotte, qui est un député de la Rive-Sud, on les a tenus par toutes sortes de procédures sur le même article, le même là. 3 lignes pendant 70 heures. Bon, est-ce que des fois j'étais tannée? Oui. Mais durant tout ce temps-là, j'essayais de parler avec le ministre, j'ai même rencontré le premier ministre, je me disais, me semble, là, j'ai tellement d'arguments, ils vont finir par entendre raison, mais non. Alors, j'ai perdu mur à mur ma bataille, mais j'ai eu au moins la fierté de les avoir obligés à rester assis là. Je ne sais pas combien d'heures, puis probablement à me détester à la fin, mais ça, c'est pas grave. Mais il y a d'autres commissions où ça a été beaucoup plus intéressant. Il y en a une sur l'économie sociale. En tout cas, ça a été intéressant.
Quelque chose de très intéressant aussi à l'Assemblée nationale s'appelle le Cercle des femmes parlementaires. Alors, c'est un lieu totalement non décisionnel, mis sur pied par des femmes députées, qui se réunit 3-4 fois par année autour d'un souper en faisant venir des invités de l'extérieur pour nous parler. Puis là, on discute librement, mais il n'y a pas de décision. C'est plus pour nous informer, discuter de sujets parfois difficiles, compliqués, où on veut avancer, on veut, tu sais, ouvrir nos esprits. J'ai vécu ça pendant 4 ans, donc pas mal de soupers, là. Et ça, ça m'a toujours fait beaucoup de bien. Parce que c'était un lieu où là, il n'y en avait plus de partisanerie. On était des femmes. Et là, quand on s'est mis à discuter de harcèlement sexuel, puis on savait que ce qui se disait là sortirait nulle part, ça a toujours été respecté, là, on était capable même de se confier des choses. On était capable de s'entraider. On était capable de débattre de sujets complexes, prostitution, travail du sexe, on en pense quoi? La situation des femmes autochtones, la situation des femmes dans le monde merveilleux de la construction, comment on fait pour susciter un appétit chez les jeunes femmes pour aller travailler dans des milieux très masculins. Comment on travaille ça? Puis ça, c'était des invités de l'extérieur qui venaient en parler avec nous. Donc, on a vraiment abordé toutes sortes de sujets, pas toujours faciles, mais avec un immense respect puis beaucoup de complicité. Alors, ça, c'était vraiment intéressant et je dirais que le point culminant, on a pris une fois une décision quand même, c'est que on soulignait cette année-là le 25e très triste anniversaire du massacre de Polytechnique. Ça fait 3 ans, je pense. Et habituellement, le 6 décembre, à l'Assemblée nationale, chacun des partis politiques prenait la parole, tu sais, à tour de rôle, bon, pour souligner l'événement. Mais là, moi, j'ai dit aux collègues féminines, écoutez, c'est le 25e anniversaire. Il me semble que là, on ne devrait pas chacun des partis faire quelque chose, puis là, dire « Ah, ma motion est peut-être meilleure que la tienne », ou tu sais, on devrait faire quelque chose ensemble. Alors, on a discuté, puis de fil en aiguille, il y a eu un texte qui a été écrit par quelqu'un de l'extérieur, une femme qui écrit très, très bien, Françoise Guénette, et qui a été proposé à l'ensemble des femmes, tout parti confondu. Et là, donc, je vous le dis, on est à peu près 30 femmes à l'Assemblée nationale. Ça dépend des années, mais mettons 30, là, autour de 30. Et ce même texte a été lu extrait par extrait, là, successivement par toutes les femmes qui se levaient chacune leur tour pour lire, disons, un court paragraphe. Ça, c'est un des plus beaux et émouvants moments de toute ma vie. Parce que, faut que vous compreniez, là, 25e anniversaire, on avait mis une gerbe de rose en plein milieu de la salle. Puis là, subitement, il n'y a plus d'agitation dans la salle. T'sais, on est au Salon Bleu, on a fini la période de questions, puis là, il n'y a plus personne qui se chicane, il n'y a plus de... En fait, tout le monde, il y a un silence qui règne là, qui est exceptionnel, et tout le monde écoute. Parce qu'on ne s'écoute pas tout le temps non plus. Mais là, tout le monde écoute. Des femmes de tous horizons. Moi, il y a des gars après, des députés qui m'ont dit « Vous m'avez fait pleurer ». Tu sais, il y avait une émotion qui était particulière, qui était magnifique. Puis c'était pas juste une affaire de femmes. Tout le monde se sentait concerné. Ça a été un très beau moment. Alors, on peut vivre comme ça des beaux moments à l'Assemblée nationale. J'en ai vécu un, moi, personnellement, il n'y a pas très longtemps, un an et demi. J'ai déposé un projet de loi, parce qu'on peut faire ça, les députés de l'opposition, on peut déposer des projets de loi. En général, il ne se passe rien avec ça. Ça s'en va dans la filière 13. C'est un geste médiatique, c'est pour dire « Hey, on pourrait faire ça », mais il se passe, je vous le dis, il ne passe rien. Mais là, en tout cas, je ne vous raconterai pas toute l'histoire, ça serait trop long, mais j'avais développé toute une stratégie. Et finalement, le projet de loi que j'avais déposé, qui protège les locataires aînés de l'éviction, ils ne peuvent plus se faire chasser de leur logement. Bien, miraculeusement, là, ce projet de loi-là, qui a 3 articles, il a franchi toutes les étapes et il a été adopté
si mon souvenir est bon, le 10 juin 2016, par un vote unanime de l'Assemblée nationale. Fait que ça, c'est sûr aussi que quand tu y arrives, là, t'es pas mal content. Et ce qui me rend le plus heureuse dans tout ça, c'est pas un projet de loi qui change l'histoire, hein, on s'entend, là. Ça ne touche que les aînés de 70 ans et plus qui habitent depuis plus de 10 ans dans leur logement et qui sont à revenus modestes. Fait que, tu sais, c'est pas des millions de cas. Mais il y a un monsieur, il y a 2 semaines, qui m'a écrit, me dit « Madame David, savez-vous quoi? Je serai pas chassé de mon logement à cause de votre loi. » Bien, quand même, il y en aurait juste 5 dans une année. Le monsieur, il a 73 ans, ça fait 25 ans qu'il vit dans son logement. Moi, je me dis « J'ai fait ma job. » J'avais dit qu'il y avait le pire, le meilleur et le difficile. Dans le difficile, une chose, bien plus qu'une, mais disons, les médias. C'est pas simple, ça. Ils sont là à l'Assemblée nationale, hein, ils font partie des 1200. Là. Il y a toute une tribune de la presse, les journalistes, le personnel, etc. Ils sont nombreux et ils veulent qu'on nourrisse la bête. C'est pas comme il y a 20 ou 30 ans, là, une conférence de presse par jour, et puis tu passes peut-être aux nouvelles, puis tu es dans le journal du lendemain, vous le savez bien, là, c'est fini, c'est d'heure en heure maintenant. Oui, mais pour nourrir cette bête d'heure en heure, bien, nous, il faut qu'on parle, il faut qu'on dise quelque chose. Fait que le nombre de fois où je me suis retrouvée à devoir prendre position sur un sujet que j'avais eu 10 minutes à analyser, là, fait qu'en général, j'essaie de m'en sortir en disant « Écoutez, j'ai pas pu prendre le temps, fait que je vais vous dire 2 phrases, mais je reviendrai. » Mais c'est terriblement frustrant parce que moi, comment j'ai été élevée puis comment j'ai travaillé avant ça dans ma vie, c'est rigueur, rigueur, rigueur. Je veux connaître mon sujet, je veux, tu sais, aller au fond des choses. Eh, mon Dieu, que c'est pas ça le monde médiatique, là. Alain Laforêt de TVA me disait « Madame David, je sais, là. Mais donnez-moi mon clip de 15 secondes. Parce que de toute façon, vous le savez, je ne vous en donnerai pas plus que ça. » OK. Alors, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés avec ça. Alors, quoi penser de tout ça? Et est-ce qu'il y aurait des pistes de réflexion qui pourraient nous amener à améliorer cette démocratie, représentative? Bon, avant de parler des pistes, je veux vous dire aussi que parmi les problèmes, il y a quand même ce qu'on appelle la campagne électorale. Ça serait tout un autre sujet, là, mais une campagne électorale, c'est pas toujours si intéressant que ça. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai aimé, c'est faire du porte-à-porte dans mon quartier, aller voir les gens. C'est fascinant, c'est super intéressant, là. Si jamais vous avez le goût de faire ça, faites-le. Vous allez voir comment les gens ils nous parlent. Ils parlent vraiment, puis ils ont des questions. C'est vraiment intéressant. Mais l'espèce de cirque médiatique, là, de tous les soirs, les autobus, les chefs, puis là, ça chicane et tout, bon, c'est moyen, disons. Là. C'est pas si intéressant. Et parfois, on en vient à oublier qu'en fait, on va élire des gens qui vont avoir de l'influence dans nos vies quotidiennes pour les prochains 4 ans. Puis je suis pas sûre que tout le monde prend le temps d'aller vraiment regarder quels sont les engagements puis quelle est la vision que ces gens-là nous proposent. Je vous ai parlé de la concentration des pouvoirs, c'est problématique. Il y a une absence complète de reddition de comptes. Tu sais, vous élisez quelqu'un, 4 ans plus tard, c'est sûr que vous pouvez dire « ça fait pas mon affaire, je le chasse ». Mais durant 4 ans, la plupart des députés ne font pas de reddition de comptes aux gens qui les ont élus. Puis ça, il y aurait des choses qui pourraient être faites. On pourrait évidemment se parler de la politique spectacle, on pourrait se parler de la corruption. On n'en a pas fini avec ça. Bon, donc, il y a quand même des problèmes qu'il faut régler. Et c'est là où j'arrive dans mes pistes, parce que je veux que vous ayez le temps de parler. À mon avis, le premier problème, c'est le mode de scrutin lui-même. Je ne sais pas trop si ce sont des choses que vous avez eu le temps. Attendez une seconde. Bon, je pense qu'il y a ici beaucoup d'étudiantes et étudiants en sciences politiques, donc c'est peut-être quelque chose que vous avez vu. Je ne veux pas trop m'étendre. Je vous ai dit tout à l'heure que notre mode de scrutin il était majoritaire uninominal à un tour, ce qui veut dire qu'une personne est élue par comté,
et que le parti qui fait élire le plus de gens a le pouvoir. Bon, je résume vite, là, mais c'est ça. Mais il y a d'autres modes de scrutin. Notre régime parlementaire au Québec et au Canada, hérité du régime britannique, hein, c'est assez colonial tout ça, maintenant n'est appliqué que dans 76 pays. Dans 107 pays, il y a des modes de scrutin qui, d'une manière ou d'une autre, et là, il y a toutes sortes de manières, font davantage appel à un scrutin proportionnel. Je vais essayer d'être clair parce que ça, c'est vraiment les bouts pas clairs, puis je ne veux pas embarquer trop dans de la technique que de toute façon, honnêtement, je ne maîtrise pas totalement moi-même, là. Mais l'idée est la suivante. Au Québec, là, avec le mode de scrutin qu'on a, vous pouvez être élu, vous pouvez former un gouvernement sans avoir la majorité des voix exprimées par la population. C'est arrivé en 1998. Lucien Bouchard et le Parti québécois ont formé un gouvernement. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait élire dans une majorité de comtés des députés. Mais en fait, ils avaient moins de voix au total, c'est additionne les voix de l'ensemble du Québec, que les libéraux. On peut se questionner là-dessus. Québec solidaire a 3 députés et avait, a eu en 2014 7,5% des voix. 3 députés, c'est moins que 7,5% de 125 députés. Autrement dit, il y a une espèce de distorsion. Notre système électoral à nous, beaucoup de gens le disent depuis bien des années, c'est un système électoral qui est fait, dans le fond, pour avoir 2 partis. Celui qui gouverne, puis l'opposition. Puis au Québec, ça a été ça longtemps. Libéraux, puis ben, à un moment donné, Union nationale. Mais là, maintenant, de nos jours, les gens pensent de toutes sortes de manières, ont toutes sortes d'idées. Il y a ce qu'on appelle le pluralisme des idées au Québec. C'est une excellente chose. Et là, on voit qu'il y a quand même des changements. Il y a 4 partis à l'Assemblée nationale. Hein, vous savez, je les ai nommés. Et tout ce monde-là aspire à prendre le pouvoir. Mais avec le mode de scrutin qu'on a, pour un parti, par exemple, comme Québec solidaire, ben c'est sûr que ça va être difficile. La CAQ, elle, a l'air d'avoir le vent dans les voiles. Vous déciderez ce que vous en faites. Mais si on veut mieux refléter les choix diversifiés des électrices et électeurs, notre opinion, en fait, notre opinion, c'est comme si j'étais encore porte-parole de Québec solidaire, mais c'est resté mon opinion, c'est qu'on devrait avoir un mode de scrutin plus proportionnel. C'est-à-dire, ce qui est beaucoup mis en valeur au Québec comme mode de scrutin par les gens qui veulent le changer, ça s'appelle le Mouvement pour une démocratie nouvelle, en passant. Allez sur ce site-là, vous allez apprendre tellement de choses, vous allez voir des exemples dans d'autres pays, vous allez voir qu'est-ce qu'ils proposent. Donc, le Mouvement pour une démocratie nouvelle propose à peu près ceci, c'est qu'on, au lieu d'avoir 125 comtés, on en aurait 75, qui serait à peu près l'équivalent des comtés fédéraux. On élit 75 députés fédéraux ici au Québec, qui s'en vont à Ottawa. Là. 75. Donc, ils sont plus gros, ils sont plus larges. Okay? 75, où là, c'est, bon, tu votes pour ton député de comté. Mais il y aurait 50 sièges qui seraient des sièges de liste. Alors là, tu ne votes pas pour une personne dans ton comté, tu votes pour une liste. Par qui sont faites les listes? Faites les listes par chacun des partis politiques. Et chose intéressante, il y a quelque chose de plus dans la proposition. La liste, ben, la liste est forcément de 50 personnes, alternance hommes-femmes. Ceux, et là, à l'intérieur des partis, ça va chicaner, c'est sûr, parce que ceux et celles qui sont au début de la liste ont plus de chances de s'en aller à l'Assemblée nationale. Le mécanisme, là, en gros, c'est que vous votez par région. Pour respecter les particularités régionales, les partis présentent chacun une liste de 50 candidats et candidates par région. Il y a 17 régions au Québec. Okay? Et donc, vous êtes sûr d'avoir du monde de votre région qui va aller à l'Assemblée nationale. Puis tout se fait après ça par un système savant d'addition des votes. Qu'est-ce que ça change? Ce que ça change, c'est qu'on garde des comtés parce que les gens y tiennent. Le fait qu'un député s'occupe de son monde dans son comté, les gens tiennent beaucoup à ça au Québec, puis moi, je suis assez d'accord avec ça. Mais vous avez 50 autres personnes qui ne représentent pas un comté, mais qui représentent des partis, des idées, des visions,
puis tous ces gens-là travaillent ensemble. Ça, ça serait super intéressant. Ça, c'est peut-être le choix le plus, comment je dirais, la piste, à mon avis, la plus prometteuse. Puis elle est énorme là, à mettre en place. C'est quelque chose d'assez structurant. Et ça donne quoi en bout de ligne dans les pays qui font ça? Bien, ça donne toujours des gouvernements de coalition. Toujours. Par exemple, en Allemagne, hein, toujours des gouvernements de coalition. Là, Mme Merkel a un peu de misère à former un gouvernement parce qu'il n'y a pas grand monde qui veut s'allier avec son parti. Bon, ça arrive. Mais en général, l'Allemagne fonctionne bien, réussit à former des gouvernements de coalition. Le Parti social-démocrate allemand a déjà gouverné avec le Parti vert. Puis, vous pouvez imaginer l'intérêt, là, parce que les Verts arrivaient avec des propositions. Il y en a une, d'ailleurs, qui a amené le gouvernement à dire « OK, d'ici, je ne me souviens plus du nombre d'années, on ferme toutes les centrales nucléaires sur le territoire. » C'est quand même pas rien, là. Donc, les gouvernements de coalition, c'est intéressant. Les gens sont obligés de travailler ensemble, sont obligés de dialoguer. Ils doivent sûrement chicaner. Vous regarderez la série danoise Borgen. Puis là, vous vous apercevez que c'est pas toujours simple négocier là, entre partis politiques. Puis il y a des coups bas des fois aussi. Tu sais, le meilleur des mondes, il n'existe pas, là. Mais au moins, les gens se parlent. Alors, ça, c'est toute la question de changer le mode de scrutin. Je pense qu'il faudrait imposer des mécanismes de reddition de comptes. Comme député, par exemple, je faisais 2 assemblées par année minimum dans mon comté, une à l'est, une à l'ouest. Puis là, j'invitais vraiment les gens à venir me rencontrer. On a essayé toutes sortes de formules pour qu'ils puissent venir me poser des questions, me donner leur opinion, qu'on puisse débattre. Puis je n'étais pas la seule à le faire. Amir le faisait aussi. Manon Massé le fait. Gabriel Nadeau-Dubois, qui m'a remplacé, le fait. Donc ça, c'est intéressant. C'est pas magique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se déplacent pas. En fait, les gens s'organisent pour nous faire savoir ce qu'ils pensent de d'autres façons. Ils nous téléphonent, ils nous écrivent, ils viennent sur nos pages Facebook. Puis de toute façon, ben, comme on habite nos comtés, on se promène dans la rue, puis les gens nous parlent abondamment. Alors, en général, s'ils sont contents, ils ne viendront peut-être pas à l'Assemblée. C'est ça qui est un peu plate. Moi, j'espérais toujours qu'il y ait plein de monde. Mais quand ils ne sont pas contents, on est sûr de le savoir, par exemple. Ça, ce n'est pas un problème. Mais moi, je le ferais quand même. J'imposerais à tous les députés de faire ça. Je trouve aussi qu'il faudrait instaurer des mécanismes. Je n'ai pas beaucoup travaillé la question, mais il faut absolument limiter les pouvoirs du premier ministre. Ça n'a pas de bon sens. Vraiment, là, il y a comme... C'est comme une espèce de roi. Puis on a pourtant aboli la monarchie, tu sais... il faudrait que ces pouvoirs soient mieux encadrés. Il y a un vice-premier ministre, mais qui en fait n'a aucun pouvoir tant que le premier ministre est là. Est-ce qu'il y aurait moyen d'y avoir une sorte de partage des pouvoirs entre le premier ministre et le vice-premier ministre? Déjà, ça serait ça. Est-ce que le conseil des ministres ne devrait pas être plus décisionnel? Alors, moi, je trouve qu'il y a quelque chose à regarder de ce côté-là. Ensuite, on pourrait, ça se fait déjà dans plusieurs pays, avoir des référendums d'initiative populaire. Ça, ça veut dire, je donne un exemple, OK? 100 000 personnes au Québec signeraient une pétition. C'est pas impossible du tout, hein? Vous savez que c'est possible avec Internet. Ça peut même aller assez vite, là. Alors, 100 000 personnes signent une pétition disant « Nous voulons un référendum sur une question précise. » Puis dès qu'il y aurait 100 000 personnes, le gouvernement serait obligé de déclencher un référendum. Un référendum, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a le droit de vote en haut de 18 ans, là, mais tout le monde peut se prononcer. Mais là, après ça, pour avoir observé ce qui se passait dans d'autres pays, attention, ça non plus, c'est pas magique. Parce que si l'un des deux camps dispose de moyens financiers extraordinaires, ben, il va battre l'autre camp. Alors, moi, j'ai observé ce qui se passait en Suisse, j'ai observé ce qui se passait en Californie, où il y a des référendums d'initiatives populaires, c'est pas toujours si génial que ça. En Suisse, il y en a eu un référendum, par exemple, il y a quelques années, où les gens ont refusé qu'il y ait des congés de maternité pour les femmes. Là, tu fais, attends, il y a quelqu'un quelque part qui a mal expliqué la question, là. Puis comment ça se fait que ça passe pas? Est-ce que tout le patronat s'est ligué pour dire, hey, vous pouvez pas faire ça, ça va être bien trop compliqué? Tu sais, au Québec, quand même, on a maintenant un congé d'un an, là. Alors, c'est pas magique, il faut que ça soit encadré, mais à mon avis, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Vous allez peut-être trouver ça drôle, mais parce que c'est pas directement lié au fonctionnement de l'Assemblée nationale,
mais je pense qu'il faut qu'on se batte comme citoyennes et citoyens pour le maintien d'une presse libre et démocratique. On peut avoir des critiques vis-à-vis des médias, je ne me prive pas d'en avoir par moment, mais là, en cette époque de fake news, hein, où n'importe quoi à peu près peut se dire, moi je commence à penser qu'il faut être vigilant et il faut s'assurer qu'on conserve au Québec une diversité de médias d'information. Il faut qu'on ait des journalistes professionnels qui ne disent pas quelque chose juste spontanément parce qu'ils ont entendu dire que, mais qui fouillent les faits, qui font enquête et qui, à ce moment-là, peuvent d'ailleurs être extrêmement utiles. L'émission Enquête, justement, pour ne pas la nommer, a été tellement utile au Québec pour savoir plein de choses en ce qui avait trait à la corruption de l'ancien gouvernement Charest. C'est précieux, ça. Et donc, si on commence à s'apercevoir à un moment donné qu'il y a trop de concentration de la presse, dans le même empire, bien, il faut être vigilant, il faut faire attention. Puis c'est beau les médias sociaux, là, mais ce n'est pas tout le temps du monde super informé qui écrit dans les médias sociaux. C'est correct. On peut même se dire que c'est démocratique. Tout le monde peut dire à peu près n'importe quoi, là. Mais je ne suis pas sûre qu'on avance beaucoup dans le débat d'idées tout le temps. Puis je ne suis pas sûre non plus que ce qui se raconte là est toujours fondé sur les faits. Donc, pour moi, une presse libre et démocratique, c'est très important. Et finalement, à mon avis, puis ça aussi, vous allez me dire, c'est pas tout à fait lié, mais oui, l'éducation. Il me semble que je suis dans le bon milieu pour terminer avec ça, mais c'est parce que je le crois profondément. Éduquer, apprendre, s'instruire, quelque part, c'est un foutu bon moyen de faire face à des gouvernements qui, à certains moments, veulent passer des lois ou instaurer des politiques et qui trouvent devant eux, dans certains pays, un peuple démuni parce qu'il n'y a pas les outils pour combattre. Dany Laferrière, le grand écrivain québécois d'origine haïtienne, a déjà raconté à la radio que sous la dictature de Duvalier, ça c'était les années 60, 70, 80 en Haïti, le dictateur donnait beaucoup de journées de congé aux enfants dans les écoles. Et Dany m'a dit, ma mère était furieuse parce qu'elle disait, je le sais bien, ce dictateur-là, il veut pas d'une nouvelle génération instruite. Puis quelque part, sa maman avait raison. Moi, j'ai observé au Québec, dans les 10 dernières années, que des personnes qui avaient eu la chance d'étudier, d'aller assez loin dans des études, ont été extrêmement précieuses dans certains combats qui ont été menés, par exemple, la question du gaz de schiste. Ça s'est beaucoup passé en Montérégie et dans le centre du Québec. Hein. Le gouvernement Charest, il voulait creuser là, des milliers de puits de gaz de schiste, quasiment dans les cours des maisons. Là. Puis là, il s'est créé 80 comités de citoyens, donc du monde de la base, du monde de votre région, de vos régions. Mais souvent, dans ces comités-là, ça m'a frappé. Oui, on retrouvait les agriculteurs, les gens qui habitaient là, mais on retrouvait aussi des biologistes, des chimistes, des physiciens, des retraités des universités qui venaient aider les gens pour comprendre mais de quoi on parlait, comment on pouvait se battre, quels arguments on pouvait apporter. Et là, je me suis dit, wow, vive l'éducation. C'est utile, l'éducation. Pas seulement pour se trouver un emploi, là. Ben oui, c'est sûr. Mais c'est utile pour que dans nos têtes, entre nos deux oreilles, on soit capable de comprendre ce qui se passe dans notre société et qu'à ce moment-là, on soit capable, comme citoyennes et citoyens engagés, de faire la différence, de participer à la vie démocratique pour appuyer ou pour s'opposer, mais avec des arguments. Donc, l'éducation, je ne dirai jamais assez à quel point c'est cher à mon cœur. Alors là-dessus, moi j'ai terminé, j'ai parlé beaucoup plus longtemps que je pensais. Mais il nous reste quand même une demi-heure, je pense, pour un échange. J'aimerais vraiment, vraiment vous entendre. Vous savez, à Québec solidaire, nous, on fait toujours les choses différemment, là. L'alternance homme-femme, tu sais, des affaires de même, puis deux porte-paroles, puis tout ça. Mais j'aime bien ça.
J'invite donc tout le monde à venir s'exprimer, étudiants, étudiantes, professeurs, si jamais il reste de la place. C'est une petite, petite taquinerie. Mais oui, j'aimerais vous entendre des questions, des commentaires, des désaccords. Il n'y a pas de problème. Qu'on puisse se parler là, durant une petite demi-heure. Je vous écoute. Il faut juste briser la glace. Après ça, ça va bien. Et petit mot, pour poser les questions, il faut venir au micro ici pour qu'on vous entende. J'ai une question. Je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédéric Chenel. Je suis président du journal étudiant ici au collège. Dans le fond, vous avez parlé d'une presse libre et démocratique. J'aimerais savoir la place que les médias étudiants auraient, selon vous, devraient avoir dans la société. C'est une très bonne question à laquelle, devant cette question-là, je me sens un peu démunie parce que je pense que je ne connais pas tant que ça la presse étudiante. Je le dis bien humblement. Toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est une excellente question. Bien, c'est sûr, selon moi, c'est important que les étudiants puissent s'exprimer par le biais des médias parce que bien, la presse étudiante, c'est nous, exemple, au Maudit, en bas, c'est pour les étudiants, par les étudiants, financé entièrement par les étudiants. En fait, ma question, on voulait aussi tourner d'un côté économique parce que les journées étudiantes ont souvent de la misère à se trouver de l'argent. Des fois, ils vont en avoir de la part d'associations étudiantes ou de la part de leur école. Mais j'ai essayé de voir si le gouvernement tentait de financer. Et j'ai appelé au ministère de la Culture. J'ai eu un refus catégorique. C'est quasiment si je ne me suis pas fait raccrocher au nez parce que j'étais un média étudiant et on ne considérait pas qu'on était sérieux. OK. Ben ça, c'est un problème, c'est sûr. On peut se parler de médias étudiants, mais moi, je parlerai aussi de médias communautaires parce qu'il en existe encore au Québec, là, des journaux communautaires dans certaines régions, des radios communautaires, ça existe. C'est très peu et très mal financé, donc vous n'êtes pas les seuls à être mal financés. Et moi, je trouve que c'est important. Puis plus compliqué que ça encore, s'il y a moyen, quand un journal indépendant, puis c'est à peu près le seul grand journal indépendant qui reste, il s'appelle Le Devoir, crie famine et dit au gouvernement provincial et fédéral, écoutez, si vous ne nous aidez pas d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, on va peut-être être obligé de fermer, c'est dramatique. Parce que la concurrence du web, évidemment, est énorme. Puis il n'y a personne qui veut fermer le web. C'est pas ça la question. Mais la question, c'est si on veut une presse, des médias, qu'ils soient étudiants, communautaires ou plus grand public, si on veut quand même conserver ça, ben oui, il faut que les gouvernements s'en mêlent parce que sinon, dans quelques années, il n'y en aura même plus. Pourquoi est-ce que le journal La Presse réussit à survivre? Moi, j'ai bien des échos un peu de l'interne des différents journaux. Là, il y a des journalistes qui, des fois, sous le sceau de la confidentialité, finissent par accepter de parler un peu. Bien, la presse survit parce que c'est Power Corporation, que c'est une multinationale implantée dans plein de pays et qui fait toutes sortes de choses, mais ce n'est pas la presse qui est rentable. Et Québécois, bien, c'est la même chose. Tout seul, le journal de Montréal probablement ne survivrait pas, mais c'est parce qu'il y a TVA, c'est parce qu'il y a Vidéotron, surtout. Donc, ça veut dire que les plus riches, ceux qui dépendent de multinationales ont un bel avenir devant eux, puis les autres, si les gouvernements ne s'impliquent pas, bien, il y a un problème. Puis un gouvernement qui refuse de s'impliquer le moindrement, c'est un gouvernement qui dit, bien, dans le fond, c'est pas grave. C'est pas grave, il restera deux journaux, hein, et puis tout le reste, bien, qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Non, ça, ça marche pas, là. La démocratie, ça commence à la base. Ton journal étudiant, ton journal de quartier, ton journal communautaire, moi, je trouve que c'est important. Donc, oui, un financement serait tout à fait adéquat. Merci. Bien, premièrement, merci pour votre conférence. C'est très apprécié. Puis, moi, j'avais une question parce que je pense qu'un des problèmes de la démocratie actuelle, c'est le fait qu'il y a comme un gouffre entre les citoyens puis les politiciens qu'on voit comme une élite. Ou comment faire pour rapprocher la population
de ces politiciens-là, parce que souvent, les citoyens vont pas se sentir préoccupés ou touchés par ça, parce que c'est tellement loin, c'est tellement quelque chose qui n'est pas près de nous dans la vie de tous les jours. C'est vrai. Je ne suis pas sûre que le livre de recettes est écrit, mais premièrement, si déjà la totalité des députés étaient vraiment présents auprès des citoyennes, des citoyens dans le comté où ils ont été élus, on réglerait une bonne partie du problème. Dans mon quartier, qui est pourtant assez vaste, là, je me suis rendu compte, au bout d'un an ou deux, que vraiment, il n'y avait plus ce fossé là, entre les citoyens et moi. Mais il faut dire, ça c'est pas... On va être juste, là, il y a des régions où c'est pas possible. Je veux dire, qu'est-ce que moi je pouvais faire, puis ce que j'ai fait. Au lieu de prendre ma voiture, j'ai continué à prendre l'autobus, moi, dans mon comté. Ça fait que les gens, c'était pas difficile de me voir, là, dans le même autobus, tu sais. J'ai marché beaucoup, j'ai été en vélo, j'ai pris le métro. En général, je vivais dans les périodes où j'étais dans mon comté, parce que sinon, oui, j'étais à l'Assemblée nationale, mais je passais quand même 4 jours, semaine dans mon comté. Je m'organisais pour y rester beaucoup. Tu sais, d'aller, si j'allais au resto, c'était dans mon comté. L'épicerie, bien évidemment. Et puis, même volontairement, je changeais de resto, je changeais d'épicerie, pour essayer de parcourir le comté. C'est nono, hein? C'est pas des grandes affaires, on n'écrira pas un livre là-dessus, mais c'est élémentaire. Commence donc par être là. Maintenant, il faut être juste là. J'avais des collègues députés, genre Côte-Nord, Gaspésie, ils sont dans leur char tout le temps. C'est très difficile pour ces députés-là d'être... Par contre, il y a moins de monde. Alors, tu vas dans un village, c'est pas long, t'as vu presque tout le monde. T'sais, il y a des avantages, des inconvénients, là, mais ils sont vraiment dans leur auto, ils se déplacent énormément. Moi, je trouve que c'est une vie pas facile. Ils ouvrent des antennes de leur bureau de comté à différents endroits. Eux, c'est souvent, je sais pas moi, un rayon de 100 km, là, sur la côte nord, 300-400 km carrés, là. Alors, c'est pas facile. Il faut passer par les médias communautaires, il faut être sur le terrain avec les gens. Alors ça, c'est super important. Puis quand les gens ont une proximité d'accès comme ça avec leurs députés, leur regard sur les politiciens change. Quoique, là arrive un autre problème. Ils vont dire à leurs députés, « Oui, mais vous, c'est pas pareil. Vous, vous êtes fine. Vous, vous êtes avec nous. Vous, on vous voit, mais... » C'est quoi, là, ce cirque-là à l'Assemblée nationale? Alors, le seul moyen de faire en sorte que le citoyen, tu sais, fasse pas juste apprécier son ou sa députée, mais l'ensemble de la classe politique, bien là, c'est qu'il y a des changements politiques à faire. Premièrement, il va falloir en venir à bout, là, du copinage entre l'élite politicienne dans certains partis puis le monde des affaires. Le citoyen, il sent ça. Le citoyen, le groupe de citoyens, tu sais, les gens qui essaient de s'organiser puis qui demandent une rencontre avec un ministre puis que ça prend 6 mois, là, ils savent très bien que si tu es le PDG de nomme n'importe quelle grosse entreprise au Québec, ça va te prendre 2 jours puis tu vas l'avoir, ton rendez-vous. C'est pas compliqué, là. Pis je pense que ça... Il faut le changer, parce que ça aussi, ça décourage les gens. Ils ont l'impression que l'élite politique est bien trop proche de ce qu'on pourrait appeler l'élite économique. Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas se parler. Bien sûr qu'ils doivent se parler, mais attends, est-ce qu'on pourrait prendre le temps de parler aux organismes qui représentent le monde ordinaire, tu sais? Alors, ça, c'est une culture à changer. Elle ne sera pas facile, mais en fait, peut-être qu'il faut réfléchir à qui on élit aussi. On élit des gens ou on ne vote pas, parce que je sais, dans votre génération, il y a beaucoup de gens qui ne votent pas parce qu'ils ont comme décidé que ça ne les intéressait pas. Puis ça ne veut pas dire, moi je ne dis pas que vous êtes une génération désengagée, je ne pense pas ça un instant. Vous êtes engagés souvent ailleurs. Le problème de ne pas voter, c'est que vous allez être pogné pareil avec ces politiciens-là. Alors, tant qu'être pogné, ben essayez donc de voter pour des politiciennes et politiciens qui vont être un peu plus loin du milieu des affaires, un peu plus proches des gens. Moi, je pense que ça va aider beaucoup.
Donc, c'est toutes des choses comme ça, plus les choses que j'ai proposées là, pour changer le mode de scrutin. Ça, c'est un travail à plus long terme. Là. La reddition de comptes, les assemblées dans les comtés, tout ça, je pense, pourrait aider à rapprocher. Bonjour, je m'appelle Émeric. Alors, j'avais une question dans le cadre de Québec solidaire. J'aimerais savoir c'est quoi en fait la différence entre un co-porte-parole ou un porte-parole et un chef de parti en général. OK. Bonne question. Quand on a fondé Québec solidaire, puis j'étais là, on a décidé qu'on ne voulait pas de chef. Il faut savoir, c'est vrai, je ne l'ai pas dit ça, j'aurais pu. Dans les autres partis politiques, puis ça, c'est une vieille, vieille tradition, là, le chef est tout puissant. Moi, j'ai vu, depuis que je suis jeune, là, des congrès de partis politiques, des congrès là, où tu as, mettons, 1000, 2000 délégués, ils votent pour quelque chose. Puis à la fin du congrès, dans le discours de clôture, le chef dit « je le ferai pas ». Je l'ai vu dans différents partis, pas juste dans un. C'est comme ça que c'est vu. C'est comme ça que ça marche dans les autres partis politiques. Moi, je venais du mouvement des femmes, où vraiment nos organismes, c'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Puis on était plusieurs à venir du mouvement des femmes, de groupes écologistes, de comités de citoyens, de syndicats, bon, etc. Puis ça fonctionnait vraiment pas comme ça. Alors nous, on a décidé à la fois deux choses. Un, il n'y aura pas de chef qui pourrait faire ce que je viens de dire. Et deux, ben, tant qu'à y être, assurons-nous qu'il y ait tout le temps un homme et une femme à la tête du parti, parce que c'est plutôt rare qu'il y ait des femmes. On va s'en assurer en disant, on va avoir des co-porte-parole, un homme et une femme. On s'est renseigné à l'époque, là, moi je te parle de 2006, ça n'existait à peu près pas ailleurs. Il y avait peut-être un petit exemple quelque part en Scandinavie, là, mais vraiment, c'était un peu d'avant-garde, on va dire ça comme ça. Alors, 2006, on fonde Québec solidaire. On annonce ça, que nous allons avoir deux porte-parole, deux co-porte-parole. Donc, à l'époque, c'était Amir Kadir et moi. On a tellement fait rire de nous autres, là. C'est incroyable. Tous les journalistes, là, il n'y en a pas un qui trouvait que ça avait du bon sens. Puis il disait, ça ne marchera pas. 12 ans plus tard, non seulement ça a fonctionné, alors je suis resté longtemps co-porte-parole avec Amir, après ça, ça a été avec d'autres, en tout cas. Maintenant, c'est Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois. Mais ça a tellement bien marché que maintenant, il n'y a plus personne dans les médias qui se pose de questions là-dessus. Et nos congrès, à mon avis, là, je ne parle pas du contenu, je parle de comment ça fonctionne. Je pense que c'est pas parfait, là, j'aurais des critiques à faire, mais c'est pas mal démocratique. Et il n'y a pas un ou une co-porte-parole qui pourrait arriver à la fin du congrès pour dire, chers délégués, vous avez voté telle affaire, puis je vous annonce qu'on va faire le contraire. Regarde, le 5 minutes après, on ne serait plus porte-parole. C'est pas possible. Est-ce que c'est contraignant pour les porte-paroles? Oui. Moi, j'ai été 11 ans porte-parole. Il y a des fois, j'aurais peut-être voté les choses différemment. Mais ce n'était pas suffisamment important pour que je dise « j'ai un problème à défendre cette idée-là ». Et je me suis toujours dit « si vraiment le Congrès décide quelque chose, quand mon âme et conscience, je ne peux pas appuyer », ben, je démissionnerai. Je suis une porte-parole. Je porte la parole des membres. Fait que, garde, si je ne suis pas d'accord avec les membres, ben, ce n'est pas à eux de changer d'idée, c'est à moi de partir. Mais ce n'est jamais arrivé. En fait, je ne suis partie pas du tout pour ces raisons-là. Ça n'a rien à voir. J'ai toujours été très heureuse dans ce parti-là. Mais moi, je considère que ce sont des modèles plus démocratiques. Sincèrement, là, j'ai beaucoup apprécié qu'on travaille comme ça. D'accord, merci. Et j'aimerais aussi vous poser une deuxième question. Vas-y. C'est par rapport à l'actualité plus récente. Ça serait, c'est quoi votre avis sur, en fait, le rejet du mot patrimoine? Alors, je vais dire deux choses.
La première, c'est que quand j'ai quitté Québec solidaire, j'ai promis que je ne jouerais ni les beaux-pères ni les belles-mères. On dit toujours les belles-mères, hein? Ça, c'est les anciens dirigeants masculins, en général, des partis qui donnent leur opinion à un moment donné sur leur ancien parti. Les journalistes, ou je sais pas qui, tout le monde a toujours appelé ça des belles-mères. Moi, ça m'a toujours choqué parce qu'en fait, c'est tous des gars. Alors, moi, j'ai dit, je ne jouerai pas les beaux-pères. Bon, ça, c'est juste pour s'amuser. Donc, ça fait en sorte qu'à la veille d'un congrès de Québec solidaire qui a lieu là en fin de semaine, moi, je ne vais pas me mettre à commenter tout ce que dit et fait et pense Québec solidaire. Je vais quand même dire une chose. C'est que les débats sur les mots, là, ce sont des débats légitimes. Tout à fait légitimes. Garde, je viens de dire que nous, on n'a pas de chef, on a des co-porte-parole. C'est des mots, ça, hein? Porte-parole, c'est pas le même mot que chef. Alors, moi, je trouve ça parfaitement légitime qu'il y ait des débats sur les mots. Les féministes dont je fais partie depuis longtemps ont beaucoup, beaucoup lutté pour la féminisation du français, pour qu'une mairesse soit une mairesse. C'est pas la femme du maire. C'est la mairesse. Elle est mairesse. Un mot comme docteur ou chercheur ne pouvait pas se dire au féminin il y a 20 ans. Là, c'était comme juste impossible. Là. Maintenant, tout le monde le dit, puis il n'y a pas de problème. Donc, qu'il y ait des débats sur les mots ne me contrarie pas du tout. Je trouve ça intéressant. Là, après ça, tout le débat, c'est quel mot est-il urgent de changer? Je laisse Québec solidaire en décidant en fin de semaine. D'accord, merci. Là, ça va me prendre une fille bientôt, là, je vous dis ça de même. Là. Oui? Oui, bonjour. J'aurais une question pour vous. Puisque votre sujet de la conférence aujourd'hui était la démocratie, ma question est la suivante. Est-ce que, selon vous, l'élection de Donald Trump l'année passée reflète bien la zone de turbulence que traverse la démocratie en ce moment au niveau international? Oui. C'est franc, mais je vais expliquer un peu quand même. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ah, mon Dieu. C'est sûr que c'est facile à haïr Donald Trump, OK? Fait que je ne veux pas embarquer là-dedans. On va essayer de comprendre, puis je ne dis pas non plus que j'ai toutes les clés pour comprendre, mais il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que l'impensable arrive. C'est ça la question. Et l'impensable n'arrive pas qu'aux États-Unis. Je veux juste vous souligner qu'en Europe, par exemple en Hongrie, ou en Pologne, sévissent des gouvernements, mais à droite toutes, là. À droite toutes, très populistes, très sectaires, très anti-immigrants, très moralisateurs. Donc, il y a certainement des problèmes, c'est le moins qu'on puisse dire. Dû à quoi? Bien, vous avez posé des questions sur l'éloignement des politiciens là, par rapport à la population. Ben voilà un des problèmes. Quand les gens ont le sentiment de ne jamais être écoutés, d'être dirigés par des gens, puis là, je pense à toute la dynastie des Clinton, quand même, là, c'est une dynastie. C'est des millionnaires, c'est des gens qui fréquentent les élites, c'est des gens qui font des discours à 100 000 $ le discours, et là, qui prétendent travailler du côté des gens ordinaires. Bien, c'est sûr qu'un certain nombre de personnes ont moins la foi, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il y a premièrement ça. Moi, je fais partie des personnes qui osent dire que ce qu'on appelle la gauche, donc les gens progressistes, les gens qui prétendent depuis longtemps travailler pour plus de justice, on a une grosse responsabilité. Je pense, moi, que dans beaucoup de pays, la gauche a déçu quand elle a été au pouvoir. Elle n'a pas livré la marchandise. Au bout d'un certain nombre d'années, il y en a même qui ont été corrompus, qui ont été achetés. Alors, les gens qui avaient eu enfin espoir deviennent extrêmement fâchés et malheureusement, sont prêts à écouter le leader vraiment populiste, là, mais, et en oubliant que c'est un homophobe, un sexiste, un raciste, puis qu'il est lui-même milliardaire.
mais il dit aux hommes blancs qui ont perdu leur job au milieu des États-Unis, « Je vais vous donner une job, vous allez voir. » C'est vrai qu'ils ont perdu leur job. C'est vrai qu'il y a une partie de la population qui a énormément souffert de la fermeture d'usines puis de toute la crise financière de 2008 aux États-Unis. Puis là, il leur parle leur langage, puis je vous ai compris, puis tout ça. Fait qu'il ne faut pas s'étonner qu'un certain nombre de gens écoutent. Il ne faut pas s'étonner de ça. Puis après, ben, il y a ce que j'appellerais, d'une certaine manière, le cirque médiatique. Là. Trump, c'est aussi une créature d'un certain nombre de médias américains. Pas tous, mais il y en a que les gens écoutent et qui ont parlé de lui tous les jours, du matin au soir, pendant la très longue campagne électorale qui l'a finalement mené au pouvoir. Alors ça aussi, ça joue. S'il y a ça, donc la déception. Maintenant, il y a une chose que je voudrais quand même rappeler. Ils ont un mode de scrutin extrêmement complexe aux États-Unis. Là, je ne veux pas embarquer là-dedans, mais juste pour vous dire qu'Hillary Clinton a eu 3 millions de votes de plus que lui. Ultimement, là, dans le décompte des votes. Alors, moi, je rencontre, tu sais, j'ai souvent des amis, des connaissances, ils me disent « Ah, c'est épouvantable, les Américains! » Ben, je dis « Oubliez pas, là, qu'en fait, la majorité des Américains n'a pas voté pour lui. Oubliez jamais ça. Je comprends, là, il a été élu, mais dites-moi pas les Américains. Dites-moi, il y a une bonne partie des Américains. » Puis là, le problème, c'est qu'ils vont être, à leur tour, très déçus. Parce que c'est pas vrai qui va s'occuper des gens ordinaires qui en arrachent, là. Ça n'arrivera pas, ça. Et là, tout ce monde-là, choqué, déçu, encore une fois, ils vont se tourner où? Alors, je ne sais pas si Bernie Sanders va revenir à l'avant-scène. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup cet homme-là. Mais il a 75 ans. Il faudrait qu'il y ait une relève. Il faudrait qu'il y ait du monde, parce que lui, il attirait les foules aussi, hein, et beaucoup les jeunes. Alors, je rêve d'un ou une Bernie Sanders plus jeune, donc avec plein d'énergie, puis capable de dire aux gens, écoutez, on peut vraiment faire autrement, puis un mouvement qui partirait plus de la base. C'est de ça que je rêverais. Mais oui, c'est un véritable enjeu, et pas seulement aux États-Unis, là, je tiens à le dire, dans beaucoup de pays d'Europe, en Autriche, la droite et l'extrême droite gouvernent. En tout cas, c'est pas facile. Merci beaucoup. Oui. OK, vas-y. moi, je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous répondez aux gens qui disent que la démocratie, c'est deux loups et un agneau qui votent pour ce qu'il va y avoir pour souper. Ça, c'est la première fois que je l'entends. C'est deux loups et un agneau qui votent pour... Quoi, tu m'as dit? Ce qu'il va y avoir pour souper. Ouais, puis on peut penser que ça va être l'agneau, bien sûr. Mais ça revient exactement à ce que je viens de dire. Ils sont pas torts, les gens. Écoute, il y avait juste à suivre la commission Charbonneau. Vous étiez peut-être un peu jeune. Je sais pas, vous étiez au secondaire, donc je suis pas sûr que vous avez suivi ça énormément, là. Mais suivre ce qui se passe, qui est pas encore résolu au niveau de la corruption et de la collusion, mais c'est sûr que ça décourage, puis tu dis, moi, je suis l'agneau, puis pendant ce temps-là, il y en a qui s'engraissent, effectivement. Il y en a qui se sont fait plein d'argent, puis les partis politiques, ben, surtout le Parti libéral, mais dans une moindre mesure, le Parti québécois, dans une moindre mesure. Un certain nombre de gens ont été littéralement achetés par des corrupteurs. C'est vrai, là. C'est vrai. Je pense que les choses ont quand même changé de ce côté-là, parce que maintenant, on ne peut plus donner des montants énormes aux partis politiques, là, 3 000 $ par année. Le montant le plus élevé que chaque citoyen peut donner à un parti politique par année, c'est 100 $. Ce qui fait que ça n'est plus intéressant pour des compagnies de ramasser 10 fois 3 000 $, puis le donner à un parti politique, puis dire « Hey, je t'ai donné 30 000, je t'ai donné 50 000, ben là, tu penseras à moi pour des contrats à coût de 100 $, là, c'est bien trop d'ouvrage. » Fait que ça, au moins, il y a comme un bout qui a été un peu réglé. À mon avis, ce qui n'est pas réglé du tout, c'est la proximité de certains partis avec les élites économiques, là, puis je pense même aussi aux libéraux d'Ottawa, leur grand dîner privé à 1 500 $ le couvert, où est-ce que les grandes entreprises canadiennes rencontrent des ministres. C'est scandaleux.
et ça devrait être formellement interdit. Point barre. Alors, non, regarde, on n'a pas fini de travailler. Moi, je ne suis pas venu ce matin vous dire « j'ai le livre de recettes, on va tout régler puis ça va se faire vite ». Non, mais ça va se faire plus vite si les jeunes sont là, si la relève est là, si on élit d'autres sortes de gens, si on est vigilant, qu'on s'occupe de nos affaires, ça va aller un petit peu plus vite. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question. Bonjour. Premièrement, merci pour la conférence. C'est grandement apprécié. Moi, je suis curieuse. On a parlé des problèmes dans la démocratie, surtout à l'Assemblée nationale, mais vous avez aussi signifié qu'il y a seulement 10 % qui est les jeunes. Moi, je voudrais savoir si vous auriez des petites pistes de solutions pour nous, pour savoir comment on peut mieux s'impliquer ou changer les choses à petite échelle, évidemment, mais à notre âge, on est dans la vingtaine, on est au cégep. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider à ça, surtout qu'on est peu représenté, justement? Moi, je dis toujours que chaque geste compte. Donc, t'es étudiant, étudiante au cégep, c'est pas tout le monde qui a envie de se lancer en politique, puis c'est bien correct, ça, là. C'est tout un métier, tu sais, bon. Mais tu peux t'impliquer au cégep. Tu peux t'impliquer dans ta communauté, avec tes voisins. Il y a dans un groupe écologiste, un groupe féministe. Il y a tellement de manières d'être engagé. C'est à vous de décider ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qui vous intéresse le plus, puis qui va être le plus facile pour vous, le plus simple. Moi, je commencerai par là. Mais s'il y en a qui s'intéressent, oui, à la politique représentative, parlementaire, qui ont envie de faire quelque chose de ce côté-là, bien moi, je dirais, choisissez selon vos idées la vision sociale, la vision écologiste ou féministe ou économique qui vous rejoint le plus. Vous savez ce que vous pensez, là. Puis, bien, proposez vos services bénévoles, parce que c'est toujours comme ça que ça commence, à un parti politique. Impliquez-vous dans votre association locale. On sera très heureux à Québec solidaire de vous accueillir, bien sûr. Mais vous savez, il n'y a pas que Québec solidaire. C'est vous qui décidez de vos choix. Et il y a de plus en plus de jeunes à QS. Ailleurs, je ne sais pas, j'y suis pas. Je ne suis plus non plus à QS, mais je sais qu'il y a de plus en plus de jeunes, surtout avec l'arrivée de Gabriel. Puis c'est comme ça que tu prends du pouvoir, en étant de plus en plus nombreux, en venant influencer des décisions. Puis ça peut être pareil dans d'autres partis. Puis à un moment donné, tu peux dire, ben moi, j'ai envie d'être candidat, d'être candidate quelque part. Tu peux même être élu. Simon Jolin Barrette, qui est député là, à Belleuil, c'est le comté de Bordua, quand il a été élu, il avait 25 ans. Voyons, Gabriel, quand il a été élu, ça fait pas longtemps, là, avait 27 ans. Donc, c'est possible, là, c'est pas obligé d'attendre à 50 ans, vraiment pas. On peut être élu dans la vingtaine, dans la trentaine. C'est intéressant. Mais je veux vraiment dire, je trouve ça important, qu'il n'y a pas que la politique politicienne. L'engagement social, c'est moi ce que j'ai fait longtemps. Ça peut être sur le terrain, sur le plancher des vaches, avec les gens que tu connais, dans ton milieu. Puis c'est souvent comme ça que ça commence, en fait. Merci. Merci, Françoise David, d'abord.